Salut les gamers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite reprise, j'ai fait une petite pause de vidéo, on va reprendre les vidéos. Et aujourd'hui, je vais te donner trois signes qui montrent qu'une fille a envie de toi. Il y a beaucoup d'hommes qui n'arrivent pas à percevoir des signes de la part d'une fille, comme quoi si cette fille a envie de cet homme, si elle n'a pas envie, si c'est juste de l'intérêt amical. Donc je vais te montrer dans cette vidéo, je vais te donner trois signes qui font qu'elle a envie de te voir, mais non pas d'un point de vue amical, mais pour coucher avec toi. On va voir tout ça juste après cette petite intro. Avant de commencer la vidéo, je t'offre un guide gratuit sur comment rendre une femme accro à toi. Je vais t'expliquer notamment dans ce guide comment oser aborder une fille que tu croises, comment maîtriser les messages pour lui donner envie de te revoir, ou encore comment faire un bon rendez-vous avec elle pour lui donner envie de te revoir ou de coucher avec toi. Si tu es intéressé par ce guide, je te le mets en premier lien dans la description et je t'invite vivement à le télécharger. Deuxième chose, on parle de séduction, de psychologie féminine sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésite pas, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner et à activer la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo, tu seras au courant. Le premier signe qui montre qu'une fille a envie de toi, c'est qu'elle cherche à être en ta présence. Donc ça veut dire quoi? Elle cherche à être en ta présence. Ça peut être tout simplement, si tu lui proposes un date, eh bien elle accepte. Elle accepte d'être dans un date avec toi, sans ses amis. Ça peut être, elle t'invite à chaque fois qu'elle fait une soirée, quand elle organise une soirée avec ses potes, si elle n'a pas trop de leadership pour directement te proposer un date seul avec elle, elle fait une soirée avec ses potes, chez elle ou dans un bar, et elle t'invite à cette soirée. Donc ça peut être un signe. Un autre signe, c'est qu'elle va pouvoir… Donc ça, c'est toujours… Les petits signes qui sont dans le signe, elle cherche à être en ta présence. Donc, un autre signe, c'est qu'elle va toujours être, par exemple, dans le bar dans lequel tu traînes. Si vous êtes dans le même cercle d'amis et qu'elle sait que tu traînes toujours dans un bar, eh bien, elle va chercher à être dans ce bar ou à être avec ses amis dans ce bar parce qu'elle sait qu'elle aura plus de chances de te croiser. Donc, évidemment, ça, c'est si elle fait ça à chaque fois, tu vois, si tu la croises une seule fois dans un bar ou dans lequel tu es, ça ne veut pas dire qu'elle a envie de coucher avec toi. Mais si à chaque fois que tu vas dans ce bar, elle est dans ce bar, c'est plus qu'une coïncidence, tu vois. Si elle est dans une soirée, elle cherche à être seule avec toi. Par exemple, elle est dans une boîte de nuit, toi, tu es avec tes potes, elle est avec ses copines. Je sais pas, toi, tu vas au bar chercher un cocktail. Eh bien, elle va venir comme par hasard chercher ce cocktail en même temps que toi, tu vois, pour se retrouver seule avec toi. Donc ça pourrait être un signe. Donc tous les signes où elle cherche à être en ta présence, ça pourrait être potentiellement un signe d'intérêt plus qu'amical. Okay. Le deuxième signe maintenant, c'est si elle te teste. Une fille qui teste un homme, c'est une fille qui est intéressée sexuellement. C'est quoi un test? C'est de la taquinerie qu'elle va pouvoir mettre avec toi. C'est un jeu, tu vois, qu'elle va instaurer. Après, il y a des tests plus ou moins négatifs. Donc ça va dépendre de la fille et de l'intérêt qu'elle te porte. Et ça va servir à quoi? Ça va servir à voir de son point de vue si tu es assez solide, entre guillemets, pas solide physiquement, mais solide mentalement, avant qu'elle couche avec toi. Parce qu'une fille, avant de coucher avec toi, elle a besoin de savoir si tu es assez solide justement pour potentiellement l'aider à élever les enfants que tu feras avec elle. Donc évidemment, aujourd'hui, on est conscient, il y a la capote, etc. Mais il y a 100 000 ans, la capote, ça n'existait pas. Donc une fille, à chaque fois qu'elle couchait avec un mec, elle devait s'assurer que cet homme-là, eh bien, serait assez solide pour la protéger, elle et ses petits. C'est pour ça qu'une fille, aujourd'hui, elle va te tester. Donc ça veut dire qu'elle est potentiellement intéressée par toi. Il ne faut pas voir ça comme un point de vue négatif. Il y a beaucoup d'hommes qui disent « Ouais, la fille, elle me teste, du coup, elle n'est pas intéressée. » Non, si elle te teste, ça veut dire qu'elle est intéressée. Si par exemple, tu l'abordes souvent dans la rue et qu'elle te dit « Ouais, tu fais ça souvent », tu vois, c'est un début d'un test, tu vois, c'est un petit test. Donc, à toi de bien réagir. Donc, évidemment, pour ces tests-là, j'en ai pas parlé, mais il faut bien réagir. Il ne faut pas se laisser intimider par ces tests. Il ne faut pas réagir émotionnellement, surtout négativement, parce que là, ça montre que ce qu'elle te dit, ça te touche. Et du coup, ça montre à la fille que eh bien, tu n'es pas « solide » entre guillemets pour inconsciemment la protéger, elle et ses enfants. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, si tu te laisses trop affecter émotionnellement, ce n'est pas séduisant à ses yeux et donc tu as perdu entre guillemets le test.
Et le troisième signe qui montre qu'elle est potentiellement intéressée par toi sexuellement, c'est si elle est tactile. Donc là, ça va dépendre évidemment des contextes et ça va dépendre de l'endroit où elle te touche. Si tu lui fais la bise, elle va te toucher la joue avec sa joue, ou alors elle va peut-être te toucher l'épaule. Si tu lui serres la main, elle va te serrer la main. Tu vois, là, elle est tactile, mais ça ne veut pas dire qu'elle a envie de coucher avec toi. Par contre, si tu es dans un date avec elle et que, je sais pas, tu lui touches la jambe, si c'est bien fait évidemment, et qu'elle, elle se laisse faire, ou alors tu lui prends la main et elle se laisse faire, ça veut dire potentiellement qu'elle est intéressée. Ou si elle-même, elle initie le contact d'être tactile avec toi, ça veut potentiellement dire qu'elle est intéressée avec toi. Mais là encore une fois, ça va dépendre des endroits. Si c'est elle-même dans un date qui te touche la jambe, ou qui te prend la main, ou qui te prend le bras comme ça, potentiellement elle est intéressée. Après, il y a des filles timides qui ne vont pas être tactiles. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intéressées, ça veut juste dire qu'elles sont timides. Okay. Et il y a des filles, qui sont tactiles avec tout le monde et ça ne veut pas dire qu'elles sont intéressées, ça veut juste dire qu'elles sont tactiles avec tout le monde. Là encore une fois, ça va dépendre du contexte et ça va dépendre de l'endroit où elles te touchent. Okay. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo, trois signes qui montrent qu'une fille a envie de toi. Si tu cumules évidemment ces trois signes, tu augmentes tes chances que cette fille-là, eh bien, elle a envie de toi. Okay. Si c'est juste un signe, c'est moins probable, mais si tu commences à voir un signe, deux signes, trois signes, bien potentiellement, ça veut dire que cette fille-là a très envie de toi. Voilà les gamers, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si tu veux aller plus loin maintenant, j'ai mon guide « Comment rendre une fille accro à toi ». Le lien dans la description, c'est un guide 100% offert à télécharger, donc n'hésite pas à y faire un tour. Moi, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à présent et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Salut à toi.